Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire des nuggets de poulet. Alors, pourquoi cette recette? J'ai demandé à mon entourage tout simplement ce qu'ils souhaitaient que je fasse comme vidéo, plutôt salé, plutôt secret, s'ils avaient des idées de recettes. Et donc du coup, mon ami d'enfance m'a proposé de faire des nuggets. Et bah très bien. Et pour cette première recette, je la fais devant vous. Donc très simplement, 2 blancs de poulet, 1 oignon, de la chapelure, et de la farine. Forcément, des œufs, un peu de poivre, un peu de sel. Allez, on commence tout de suite. Donc, déjà, le blanc de poulet, on le coupe en morceaux, pas énormément petit, parce que tout ça va être mixé. À peu près la taille des morceaux. Et c'est parti. L'oignon, on fait exactement pareil. On coupe en deux, encore en deux, encore en deux, et en deux. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper symétrique, parce que comme je vous dis, tout va être broyé. Là, dans les lames, moi, je prends ce qu'on appelle un couteau, en fait, comme ça. Hop. Dispose l'oignon, le poulet. Hop. On referme le tout. Et c'est parti. Ça fait un peu de bruit, ça prend un peu de temps. Mais ça va fonctionner. On va tester. Comme vous voyez que la préparation est en train de prendre, c'est-à-dire faire une petite bouillie, dans ce style. Oui, ça tombe bien en plus pour le soleil. Vous allez clarifier 2 œufs. Donc, le blanc qui va aller dans la mixture, le jaune que vous allez réserver. Hop. C'est par le blanc du jaune, on prend son temps. Hop, c'est tout simple. On coupe. Et voilà. La coquille pour le compost. Je vais parler avec le deuxième. Hop, on clarifie. Et voilà. Et ensuite, on reprend le mixage. Une fois que tout est broyé, que vous avez une purée très fine, vous n'avez plus qu'à le débarrasser sur le plan de travail. C'est pas comme moi la première fois, vous coupez pas, hein. Ça pardonne pas. Hop. Alors si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre une cuillère également pour débarrasser. Moi je préfère avec les doigts, au moins comme ça je suis sûr d'aller partout. Et voilà. Donc cette préparation un peu flasque, on va en faire les fameux nuggets, c'est-à-dire leur donner une forme. Le plus simple, c'est de commencer par faire une boule qu'on aplatit un tout petit peu, on passe au milieu, et après ça fait comme une sorte de petit poisson en fait, un rectangle aplati au milieu, et après il n'y a plus qu'à les mettre dans notre panure. Alors, changement de matériel, je dispose d'une plaque sur laquelle je vais pouvoir mettre mes boulettes. Et ensuite, on va préparer l'appareil à panure. Donc, avec ma préparation, ma farce, un tout petit peu de poivre, l'équivalent d'une cuillère à café, pas plus, et du sel.
Pareil, à peu près une cuillère à café. Faut pas oublier que à la sortie de la friture, on va ressaler également un petit peu pour absorber toute l'huile. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop. Ah. Je travaille avec des gants parce que c'est plus simple, parce que je trouve que ça se détache plus facilement des doigts qu'à main nue. Hop, travaille bien, on mélange le tout et là on fait les petites boulettes. Alors, les boulettes, c'est à peu près la taille d'une balle de ping-pong, hein. C'est pas plus gros que ça. Hop. Alors pourquoi je mets de l'oignon? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que le poulet en cuisant a tendance à sécher un petit peu. Alors qu'en mettant de l'oignon, ça va non seulement apporter un petit goût sucré à la préparation, et en plus, l'oignon apporte de l'eau qui empêche que le poulet soit complètement sec en cuisant dans l'huile. C'est la petite astuce du jour. Après, pas forcément académique, c'est pas grave, hein, au moins que ce soit bon. Voilà. Donc même, vos boulettes, elles n'ont pas besoin d'être rondes, parfaites et exactement... d'une forme géométrique, c'est juste pour leur donner une impression, une base, et pour avoir une certaine quantité. Ne les faites pas trop petites, parce que déjà en cuisant, le poulet va avoir tendance à se contracter, et en plus, quand vous allez commencer à les aplatir un peu, il ne faut pas que ce soit trop fin, autrement là c'est sûr que vous allez avoir un morceau de semelle dans votre bouche quand vous allez les cuire. Le fait de trop saler ou trop poivrer, après c'est selon votre convenance. Si vous le faites pour des enfants, évitez de mettre trop de sel comme je vous disais, et surtout trop de poivre, parce que c'est pas quelque chose forcément qu'ils vont apprécier. Il vaut mieux mettre des condiments à côté comme de la moutarde, de la mayonnaise, un ketchup un peu plus fort, plutôt que d'avoir une base trop forte, où là de toute façon après ben, on ne pourra plus la ranger. Alors que si vous prenez une base à peu près neutre, quand même relevée avec le sel et le poivre, mais que vous trempez dans le wasabi, là vous aurez le peps directement en bouche. L'inverse, c'est plus difficile de diminuer. Donc une fois que vous avez votre base comme ça, vous allez le mettre pendant 15 minutes au frigo, histoire que ça prenne un petit peu de forme. A tout de suite. Alors, pendant que notre préparation est au froid, histoire de se durcir un tout petit peu, on va préparer l'appareil pour faire les panures. Déjà, on a nos deux jaunes qui sont là. Simplement, on va prendre un troisième œuf. Là, on va le mettre en entier. Vous voulez pas venir? On le bat un petit peu. Façon omelette, mais très rapide. Le but, c'est de ne pas avoir de grumeaux qui puissent directement enrober la préparation sans faire trop de fil. Et quand vous voyez qu'il commence à être liquide et assez souple, ben n'allez pas plus loin, hein. On va pas en faire une mousse non plus, c'est pas utile. Voilà, vous voyez, hop, c'est nickel. Ça, on le met de côté. Ensuite, on va prendre la farine. Donc moi, je me sers de ce genre de choses qui sont des cups, tout simplement, version américaine. Ce qui fait à peu près 250 ml, 25 centilitres. Hop. Prends. Je mets l'équivalent de 1,5. Ce qui devrait largement suffire. Après, au cas où j'ai toujours le pot à côté de moi, s'il y a besoin d'en rajouter, sait-on jamais. Et pareil pour la chapelure. Alors, ma chapelure, c'est les restes de pain de la maison. Quand je fais du pain ou quand on en achète et qu'on ne mange pas forcément tout, je laisse bien durcir. Et une fois que j'ai une petite quantité, je passe tout à la râpe, histoire d'avoir la chapelure de pain maison. Voilà. Pareil, 1,5. Et là, on est tranquille. C'est
tout aussi simple. Je vais aller chercher maintenant le poulet qui a dû refroidir. Alors donc voilà, ils sont reposés au froid, ils sont un peu plus durs, un peu plus consistants. Mais voilà avec les gants. Oui, à la maison, on m'appelle le meurtrier avec ça, je ne sais pas pourquoi. Ça doit leur faire plaisir. Donc du coup, très simplement, notre petite boule, on la passe dans la farine. Vous voyez, quand ça prend un peu forme, elle devient un peu plus consistante, forcément. Directement dans le jaune d'œuf. Et sans attendre, une fois que tout est recouvert, hop, dans la chapelure. Si vous voulez avoir une chapelure qui soit un peu plus forte, un peu plus dure, un peu plus consistante, avoir quelque chose qui soit plus croquant encore, vous pouvez repasser dans le jaune d'œuf et ensuite de nouveau dans la chapelure. Moi, je préfère quelque chose d'un peu plus fin plutôt que d'avoir un truc trop épais. Quand je fais des escalopes milanaises ou des choses comme ça, là, j'aime bien le passer deux fois. Vous l'aplatissez un tout petit peu en forme de rectangle et là, comme je vous disais, vous pincez un petit peu au bout, hop, vous lui donnez une forme que vous voulez. Pas trop fin, à peu près 2 cm, 3 cm d'épaisseur. Et voilà, vous remettez sur le plateau. Et ensuite, vous passez au reste. C'est parti, et on fait le reste. Alors moi, j'aime bien faire des nuggets king size. Hein. Vraiment, le nuggets limite pour deux. Si pour vous, c'est trop long, trop large, vous pouvez très bien le recouper en deux. Donc dans ce cas-là, vous divisez le nombre de boulettes par deux. Tout simplement. Là, j'ai 12 boulettes. Alors, rien ne vous empêche d'en faire 24. Hein. C'est selon vos faims, selon votre type d'appétit, selon ce que vous avez envie de manger. Est-ce que vous mettez un accompagnement aussi? Moi, généralement, avec ça, en accompagnement, je fais une purée de carottes avec de la patate douce. Ce qui reste pareil, un peu gourmand, un peu sucré. Et ça passe nickel. Et puis, ça donne bonne conscience parce qu'on a des légumes, on a de la carotte. Par rapport à la friture. Et voilà. Donc après un petit peu d'effort, ça a duré 10 minutes à tout passer, là nous avons nos formes de nuggets qui commencent à arriver. On n'est pas non plus dans le nuggets typique McDonald's, faut bien se l'avouer, parce que les miens sont un peu plus gros, un peu plus en forme, c'est normal, hein, on vit bien. Et surtout, ils vont avoir une panure qui elle va bien craqueler, bien croustiller. Maintenant, il ne reste plus qu'à les cuire dans l'huile, ici. Là, pour le moment, je les fais chauffer entre 160 et 170 degrés. Et une fois qu'elle est bien chaude, on va pouvoir les cuire tout doucement. Ça prend à peu près 5 à 6 minutes, voire 10 minutes, selon la température de votre huile, si vous ne pouvez pas régler vraiment le thermostat. Il vaut mieux y aller plus doucement et faire cuire un peu plus longtemps que d'y aller trop fort et que d'un seul coup, ça devienne de la semelle et beaucoup trop dur, un béton armé. Ça ne sert à rien du tout. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc mon appareil photo a planté. Ma première fournée de nuggets, vous voyez, vient d'être passée dans l'huile. Maintenant, je n'ai plus qu'à les égoutter. Et puis du coup, je recommence et je vous montre comment on fait pour les autres. Donc voilà, puisque la vidéo a bien voulu planter, on recommence. Là, vous avez le bain d'huile qui chauffe entre 160 et 170 degrés. À peu près. Ensuite, vos nuggets qui sont prêts, une grille, du sopalin pour au cas où absorber l'huile qui pourrait goûter, et comme c'est vous qui risquez de nettoyer la table, c'est toujours plus pratique, et du sel. Parce que c'est toujours pratique, une fois que ça sort du bain d'huile, de rajouter un peu de sel, non seulement ça va prendre tout de suite, et le sel va absorber l'excédent d'huile. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, mais que vous ne l'avez pas vu forcément, vous mettez vos nuggets directement dedans, dans le panier. Si vous n'avez pas de friteuse de ce type-là, vous pouvez très bien le faire à la poêle, sans aucun problème. Dans ce cas-là, vous mettez un fond d'huile dans votre poêle et il faudra juste veiller à bien les retourner également. Ne mettez pas tout d'un coup non plus, ça ne sert à rien, parce qu'autrement ils vont se toucher, ils vont coller et vous allez perdre de la panure. Et ce serait dommage avec le temps que vous avez passé pour bien les faire. Donc c'est parti. Et là, on met en route
pour 6 à 8 minutes à peu près. Vous vérifiez la coloration et vous voyez comment ça cuit, comment ça va rendre au point de vue texture. Vous voyez, ils doivent rester moelleux, souples, mais quand même assez fermes. Ils ne tombent pas en croque, mais ils ne sont pas durs comme de la pierre non plus. Quand ils sont dans l'huile, ils touchent le fond, ils restent. Et une fois qu'ils vont commencer à cuire, se gorger d'huile et que l'eau va commencer à partir également, là, ils vont remonter petit à petit à la surface. Allez, ben, il ne reste plus qu'à attendre. Donc du coup, hop, une fois qu'ils sont restés un peu en surface, juste avec une pince ou avec une pierre en bois, évitez le métal, hein, forcément avec l'huile chaude, la résistance et tout ça, c'est jamais bon. Vous les retournez un petit peu, donc il suffit juste d'appuyer sur un bout et puis hop, ça se retourne tout seul, c'est pas complexe. Et vous attendez votre fin de cuisson, vous les entendez crépiter, chanter tranquillement, ce qui les arrive bientôt à point. Voilà, la cuisson est faite pour moi. Donc là, ils viennent de cuire pendant 6 minutes. Il ne reste plus qu'à les retirer. Les poser tout de suite sur grill pour qu'ils perdent l'excédent d'huile. Si vous n'avez pas de grill, vous les mettez directement sur le papier essuie-tout. Faites attention également à ne pas vous brûler, ça paraît idiot de le dire, mais ça arrive tellement souvent. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Hein? Un coup de sel. De toute façon, après, en les retournant, l'excédent de sel va retomber. C'est pas de la magie, on n'est pas dans Harry Potter, le sel va pas s'accrocher par miracle et lutter contre la force de gravité. Quoique. Hein? Et là, c'est parti pour notre dernier bain. Dans l'huile. 6 minutes. Donc forcément, si vous faites des nuggets qui sont un peu plus petits que ceux-ci, c'est-à-dire qu'un nuggets de McDonald's, c'est la moitié. Vérifiez bien, le temps de cuisson pour les tout petits sera un peu plus court, parce que forcément l'huile va pénétrer plus facilement à cœur. Alors que là, pour nous, 6 minutes, 7 minutes, c'est très très bien. Voilà, les derniers sont faits. C'était pas long. C'est pas du tout ennuyé. Et voilà, donc nos nuggets sont faits. Après, une fois qu'ils ont bien égoutté, vous avez plusieurs solutions. Ou les servir tout de suite à table, tant mieux. Tout le monde est prêt, que votre accompagnement est prêt également, que vous et votre petite famille avez faim, c'est le moment où jamais d'en profiter. Sinon, vous pouvez les mettre sous film plastique et les congeler directement comme ça. Le jour où vous voulez vous en servir, vous les faites décongeler, vous les passez 5 minutes au four à 180 degrés, c'est nickel. Ou alors, vous les mettez de côté, un film aluminium dessus, et avant de passer à table, vous les remettez un peu au four, histoire de les réchauffer. Pas besoin de les faire cuire puisqu'ils sont déjà là. Au moins, votre préparation elle est faite, vous n'avez plus qu'à déguster. Pour déguster, on va voir ça tout de suite. Vous voyez l'intérieur, qui est bien tendre, bien moelleux, qui n'est pas sec du tout, et qui va justement apporter ce côté agréable du nuggets, du côté fondant, du côté poulet, tout en sachant exactement ce qu'il y a dedans, puisque c'est vous qui l'avez fait. Donc là, vous ne risquez pas d'avoir de peau, d'avoir de cartilage, d'avoir de nerfs, toutes ces choses qu'on peut reprocher aux grandes enseignes. Là, au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui est à votre goût, et qui est plus sain, on va dire, pour vous et pour vos proches. Et là, franchement, il n'y a plus qu'à.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette recette vous a plu. Pour moi, c'était une grande première parce qu'il a fallu que je me mette face à vous, face à la caméra. Et c'est pas simple du tout. C'est un exercice qui est, ma foi, très difficile, mais que je recommencerai. En tout cas, si ça vous a plu. Voilà, j'attends vos commentaires également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez apprécié, ce que vous voulez changer, etc. Les recettes que vous aimeriez bien voir en vidéo que je vous fasse, ce sera avec un grand plaisir. Même celles que je ne connais pas, ben justement, ce sera l'occasion et d'une fois de les apprendre et en plus de les faire pour justement prouver que tout est faisable, quel que soit notre niveau de cuisine. C'est pas une question de compétence ou de maîtrise, c'est une question de passion, à mon sens. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon week-end Pascal. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.